pour nous, parce que c'est vrai qu'on se donne du mal, donc quand on a des retombées, on a... C'est formidable. Bon, maintenant nous allons commencer le prix, de donner les prix, voilà. Donc je suppose que... Est-ce que tu veux parler? Alors, bien sûr, tout le monde connaît Corinne, hein, Corinne Havert, notre sénatrice. Brigitte Baudet, qui remplace M. Eric, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Voilà. Donc, je voulais quand même aussi rendre un petit hommage, quand même un grand hommage à notre amie Mireille, qui nous a quittés en avril et qui nous manque énormément. Sa photo est là-bas. Sur la table. Brigitte, tu pourras prendre la photo à la fin. Merci, c'est très gentil à vous. À partager avec ta sœur, une semaine chez l'un. C'est ma grande sœur. Voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, nous allons remettre d'abord le prix de la ville, qui sera remis par notre amie Brigitte. Le prix de la ville, c'est celui-là. Voilà. Alors, décerné à Christian Marceau. Pour Aïga. Je ne vous serre pas la main, mais Perrier. Félicitations. D'autres temps, tu aurais même fait la bise. Après, de toute façon, tu as déjà eu la médaille de la ville, donc ça ne te pose pas de problème. Et là, voilà, tu auras un petit peu la mairie offre des livres sur Mata. Ensuite, alors, le prix du salon, c'est moi qui le remets, décerné, voilà, c'est pour le mieux, à Edith Guinet pour Dans la tempête. Il a vraiment bien plu ce pastel. Oui, une fois que le pastel allait mieux, et c'est vrai que... En tout cas, merci, c'est un prix d'encouragement pour moi. Et un grand plaisir pour moi de vous donner ce prix. Merci, Brigitte. Fuchet Bernard pour Chaos, il est juste derrière Chaos, c'est une toile qui est juste derrière, c'est un pastel, bon, malheureusement... Il a dû s'endormir sur ses lauriers, il a oublié. Il avait déjà oublié de venir apporter ses œuvres, donc là il a dû oublier de venir la chercher. C'est l'artiste, voilà. Ensuite, alors le prix du thème. Le prix du thème est décerné à Monsieur Serge Dreuil. Et voilà. Bravo, félicitations. Alors le prix AGCM normalement aurait dû être remis par Madame Baudry Guylaine, mais elle n'est pas là, alors je ne sais pas. Donc la CCM, c'est l'association culturelle du canton de Mata. Donc le prix est décerné à Monsieur Henri Millet pour sa sculpture Le Pêcheur. En antenne, la CCM. D'accord. Alors voilà, vous avez donc un beau livre. Hein, des crayons de esquisse. Non, c'est posé d'esquisse. Et tous les cahiers de la mémoire que justement l'association a écrit pendant des années. Voilà, sur l'histoire des batailles des cantons de Mata. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais remettre le prix du jury. Merci. Alors, le prix du jury est décerné à Geneviève Lepage, mais Geneviève ne sera pas là ce soir, je pense, parce qu'elle vient qu'à 4h. Donc, malheureusement, elle a d'autres chats à fouetter, c'est dommage. Son nid blanche, je lui remettrai de votre part après. Alors, l'œuvre la plus originale a été décernée à Jean-Pierre Tachon pour Solitude. Ouais.
décerné aussi le prix public. Christiane Maury. Christiane Maury pour l'ensemble de son œuvre là qu'elle a exposée, parce qu'apparemment elle a eu tous les suffrages. Ah, un prix d'encouragement à Valérie Charnot pour La Rose. Donner un peu de baume au cœur et que tu continues et que tu t'accroches et que tu nous fasses des belles œuvres pour l'année prochaine. Voilà. Bravo. Un petit mot à vous dire. Tout d'abord, d'habitude, je suis avec vous de l'autre côté, je suis le salon tous les ans. Mais là, aujourd'hui, j'ai une mission de représenter la municipalité en raison de l'absence, de l'indisponibilité de notre maire aujourd'hui. Mais il est de tout cœur avec nous et il est venu voir le salon. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée cette année, c'est que malgré la situation, le salon a été organisé, il s'est tenu et je lui trouve une couleur particulière cette année. Beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup d'émotions, comme toujours, mais peut-être plus encore cette année. Et je voudrais vraiment que tous ensemble, on fasse un grand hommage aux peintres, aux artistes qui ont fait tout ça pour nous. Viennent me rejoindre là. Nous allons prendre une photo, ceux qui sont présents. Nous allons prendre une photo de Serge. Bien, alors Chine, souriez bien parce que c'est surtout derrière. Anne-Vincent, vous êtes présidente de l'association Les Couleurs de l'Antenne. Rappelez-nous brièvement les activités de votre association. Bien, alors notre association a été créée le 16 décembre 2008 et depuis nous faisons vraiment un salon annuel qui se tient à Matha. Nous exposons aussi quelquefois dans d'autres lieux, cela dépend des ce que l'on nous propose, ce que l'on peut faire. Nous participons aux projets de la mairie quand on nous demande par exemple de faire des décors, de participer à l'élaboration des décors pour le printemps des poètes. Nous avons fait comme projet aussi les fresques pour la bibliothèque. Nous avons peint 40 toiles pour la maison de retraite. Et puis une année nous avons envoyé quelqu'un au Cap-Vert. C'est une plateforme internationale culturelle et donc pour cela nous avons organisé des spectacles, des tombolas, d'ailleurs avec Monsieur Lino, et nous avons récolté assez d'argent pour envoyer une harpiste donc au Cap-Vert qui a resté une semaine là-bas, qui est passée à la télévision capverdienne, voilà. En gros, on est toujours à l'écoute des projets qu'on nous propose, et si on peut le faire, on le fait. À chaque fois, c'est un défi et on adore les défis. Mais les peintres se réunissent régulièrement, notamment à Brie-sous-Matha. Voilà. Nous avons une salle qui nous est prêtée par M. Bernard Gourceau, le maire de Brie-sous-Matha. Donc, M. Michel Adam est l'adjoint. De Brie, donc nous avons une salle à notre disposition et nous y allons tous les jeudis après-midi, en temps normal j'entends, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, où nous peignons ensemble et c'est là où nous travaillons sur nos projets, différents projets. Donc, et en plus, on a eu la chance parce que M. Gourceau nous a fait restaurer une petite salle, un grand cagibi, je dirais, pour entreposer tout notre matériel. Tout sert de réserve. De réserve. Alors aujourd'hui, c'est la clôture
de votre exposition sur le thème autour des chansons. Oui. Michel Adam, donc vous êtes vice-président des Couleurs de l'Antenne. Comment s'est déroulée cette exposition qui a duré une semaine ? Une bonne participation malgré la conjoncture. Les gens étaient agréablement surpris par la progression, on va dire, du niveau, la diversité également des thématiques et des techniques, comme d'habitude. On a plus de grands formats cette année que d'autres. Et ça a un peu surpris et impressionné et intéressé les gens. Globalement, le ressenti est très très positif pour nous. On a quand même une moyenne de visiteurs de l'ordre de une dizaine par jour, on va dire à peu près. Donc on est assez content. Surtout en cette période d'épidémie, les gens hésitant parfois à se déplacer. Vous avez eu, je crois, 17 peintres exposants et 3 sculpteurs, dont certaines œuvres sont d'ailleurs sous nos yeux. Oui. Mais ce sont des sculpteurs qui appartiennent aux Couleurs de l'Antenne. C'est des... Oui, ils souscrivent à l'autorisation d'exposer, moyennant une petite cotisation. Voilà, oui. Etc., comme tous les ans. Et en plus, on a de nouveaux adhérents. Donc, et en termes de peinture, on a des nouveaux, ce qui a surpris beaucoup de visiteurs qui sont habitués à voir le salon tous les ans. Donc ça renouvelle un peu, ça recrée une dynamique et tout. Et ça renouvelle un peu les propositions picturales, etc. Donc, et on a une diversité dans les sculptures, entre la pierre, le bois, qu'on connaît, que les gens connaissent, mais c'est toujours un beau travail que les gens apprécient, quoi. Au point de vue peintre adhérent, vous comptez combien de personnes ? 30. 30 adhérents, c'est bien, non. Oui. Alors, bien sûr... D'habitude, nous avons aussi dans nos adhérents la passerelle. Oui. La passerelle, les adhérents se font un plaisir de nous préparer des œuvres originales et des sculptures. Enfin, comme l'année dernière, oui. Nous avions les arbres très grands oui. Au milieu de la salle. Mais cette année, étant donné la conjoncture actuelle, ils n'ont pas pu venir. Oui. Ça, c'est comme le nombre de visiteurs, étant donné que nous n'avons pas pu faire de vernissage, évidemment, ça nous fait à peu près 200 personnes en moins sur le compte total des visiteurs. Oui. La passerelle, précisons-le, c'est le foyer d'adultes handicapés de Mata. Oui. Certains pratiquant la musique, la peinture... Et ils n'ont pu venir à cause toujours de la pandémie. À cause de la pandémie. L'avenir immédiat, vous avez des projets qui se concrétisent ou se concrétiseront ? Oui, alors nous avons un grand projet, mais ça c'est plutôt Michel Adam qui va en parler, puisque ça concerne aussi la ville de Brie, puisque nous allons participer à ce projet donc à Brie pendant le jeudi après-midi, en l'occurrence. Pendant nos ateliers peinture. En quoi consiste donc ce projet ? Le projet consiste à déjà utiliser en centre-bourg tous les espaces à peu près qui sont inoccupés, une fenêtre qui a été rebouchée, une porte, etc. Ça permet d'illustrer et de ponctuer la ville et à terme peut-être de créer un parcours pictural. En faisant des fresques sur la thématique de la transmission intergénérationnelle ayant pour thème le monde viticole. Donc c'est le thème de la transmission. Moi, on a commencé déjà à faire un premier projet qui est positionné déjà dans le village. Oui. Donc l'intérêt par rapport à ça, donc ça va être en multiples volets, c'est un projet à plutôt moyen-long terme. D'accord, sur lequel on va travailler et on va faire des projets donc avec le groupe qui travaille tous les jeudis à Brie et on va faire, l'objectif c'est de faire participer en fait le maximum de personnes. À la base, le premier stade c'est de faire une recherche documentaire
Donc moi, je travaille avec contacter les archives pour avoir des scènes de vécu faites sur la vie des gens. Donc enquête, photos, cartes postales, tout ce qui peut servir à illustrer cette thématique. Construire une espèce de scénario, c'est comme en fait un storyboard pour un film. Et progressivement d'appliquer sur place, dans les espaces majeurs qui ponctuent le village, ce qui permettra à terme éventuellement de créer un parcours, d'interroger via, peut-être de dynamiser le village via le tourisme ou autre, etc. Voilà. Et ça consisterait à faire des peintures ou à peindre sur des peintures, et non pas à peindre sur des anciennes portes, des choses comme ça. On peint sur des surfaces en PVC, des modules qui font 1 m/2 par multiple, qui permettent de couvrir des surfaces qu'on colle sur des espaces, une ancienne porte bouchée au ciment. Les gens ont laissé au ciment, c'est brut de fonderie, c'est inintéressant, c'est neutre, au contraire, on ne voit que ça. Et on va raconter une histoire avec en fait une espèce de thème, en fait, de fil conducteur sur le thème du monde viticole et de la transmission. Eh bien, je vous remercie. Et puis, vous pensez peut-être déjà au salon de l'an prochain. Nous allons commencer, oui, déjà. Je commence toujours très, très prochainement. Je vais déjà prendre une date pour notre assemblée générale qui aura lieu au mois de janvier. Et en même temps, fin de l'année, je prends déjà mes dates du futur salon. Eh bien, et c'est parti après pour rechercher. Je cherche surtout des nouveaux sculpteurs pour les faire venir un matin. C'est vrai que c'est pas évident, la sculpture. Et jusqu'à présent, nous avons toujours des sculpteurs très intéressants, mais c'est très dur de les faire venir. Voilà. Eh bien, nous espérons que l'année prochaine sera plus propice. On peut en faire le vœu et, comme on dit communément, croiser les doigts. Voilà, d'ici là, il y aura un vaccin et qu'on pourra vivre normalement. Eh bien, je vous... C'est important de maintenir, c'est... Mais absolument, de maintenir ce lien social, comme l'on dit aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie.